Salut à tous, c'est GoPhoto et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire des petits défis que j'ai trouvés sur internet. Et pour ça, j'ai une petite main innocente qui m'a préparé des petits bouts de papier avec des thèmes que je dois réaliser. Je vais piocher et puis on va faire ça. Allez, c'est parti. Alors, premier papier, scène de vie quotidienne. Je sais pas si on va voir. Donc là, je vais essayer de prendre en photo une scène de vie quotidienne. Allez, c'est parti. Ah bah là, il y a des petits gens qui se baladent. Il y a des personnes, je vais essayer de prendre ça. Alors j'espère que le son ça va aller, qu'il n'y a pas trop de vent. Donc là il y a des petites personnes, on va essayer de les prendre. J'espère que le son sera assez bon. Voilà, donc la photo s'affichera à l'écran bien sûr par là, je pense, je sais pas trop. Et puis on va piocher le deuxième papier tout de suite. Alors on a reflet, je sais pas si on va bien voir. Allez, c'est parti. Pour le reflet, je pense qu'on va aller sur le ponton, là-bas, essayer de faire un truc avec la petite cabane. On va voir ce que ça va donner. Là, il y a même des petits canards qui se baladent. Donc, je ne sais pas si on peut les voir d'ici. Et du coup, là, nous sommes à la plage de Doussard, sur le lac d'Annecy, s'il y en a qui connaissent. Ah bah tiens, il traverse. Je me permets de les prendre en photo hein, parce que ils sont très jolis. Voilà. En plus, ils ont fait la pause. Ouais, je pense que je vais aller à peu près au milieu du ponton et pour voir la cabane avec le reflet, je vais essayer. Mais le lac a l'air bien agité, donc j'espère qu'on aura des reflets. T'es souhait. En tout cas, il y en a qui sont bien courageux, qui sont en maillot de bain. On est mars, il y a du vent, il fait frais. Courage à eux. Allez, là, on va essayer de faire la photo reflet. On va voir ce que ça donne. Le lac est assez agité. Bon voilà, on va voir si je peux faire mieux, mais pour l'instant, je pense pas. Donc là, on va piocher un nouveau papier, et puis, go, le prochain défi. Jeu de lumière et d'ombre. Donc là, on va essayer de prendre du contraste. Ça va être assez dur, mais bon, on va essayer. Allez, c'est parti. Je pense que je vais essayer là, avec la lumière qui sépare en deux. Là, je pense que ça peut être pas mal. Parce que là, on a un beau contraste avec la personne en plus. Donc là, pour le contraste, je vais prendre le panneau Doussard qui a l'air bien contrasté. On va voir ce que ça peut rendre. Ouais, je pense que pour jeu d'ombre et de lumière, ça va le faire. Donc on va prendre le prochain papier. Attends, on va se mettre là pour pas gêner les travailleurs. Allez, on va prendre le prochain papier qui est animaux sauvages. Donc ça va être simple, on a déjà vu plein de petits canards, on va voir si on peut trouver mieux. Et puis c'est parti. On va essayer de prendre là-bas, il y a un cygne. Donc là on va essayer de prendre le cygne, là l'approcher tout doux. Donc voilà, je me recule un peu pour prendre des précautions, on sait jamais. Ce serait bien qu'il me regarde. Ah voilà. Parfait. Je vais prendre aussi les petits canards, on sait jamais, pour valider complètement. Oh, qu'ils volent. Je sais pas si je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu. On va essayer au petit ponton, là. Là. Hop. Oh, bel atterrissage. Ah, c'est dommage. Faudrait que je me rapproche un peu plus, mais sans leur faire peur. Voilà. Donc là, on va prendre un prochain. Et on a texture naturelle, donc tout ce qui est sable, par exemple, bois, etc. On va essayer de voir quelque chose. Parce qu'on va aller vers les bateaux. Donc là, on va essayer de prendre un peu, essayer de prendre la fenêtre du bateau avec peut-être un peu la montagne derrière, mais surtout un gros plan du bateau.
pour avoir un maximum de texture du coup. Voilà. Et là on est pas mal pour le bateau. Et là on va prendre le dernier papier et puis après on aura fait le tour. Alors ça c'est un petit défi de rôle, la personne la plus âgée. Il n'y a pas grand monde, il y a juste des travailleurs derrière, on va essayer de les prendre en photo discrètement. Mais voilà, ce sera les personnes les plus âgées ou sur le retour si on trouve, mais voilà, allez c'est parti. Bah du coup on va prendre les petits gens qui se promènent, ça m'a l'air eux les plus âgés, on n'est pas bien nombreux, donc voilà. En tout cas il y en a qui font déjà la sieste, en même temps à 14h c'est l'heure de la sieste. Hein. Je crois que c'est peut-être eux les plus vieux finalement. Du coup on va prendre ces personnes assez discrètement, faire genre qu'on prend le paysage et puis voilà. Bon la photo est pas faux folle mais bon c'est les seules personnes qu'il y a. Ou après sinon on peut la checker avec celle qu'on a fait au début de la scène de vie, ceux qui étaient sur le bateau qui étaient un petit peu âgés. Donc on verra. Et voilà. Et donc là, on a fini. Il n'y a plus rien dedans. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. On se retrouve bientôt pour de nouveaux projets. J'ai plein de choses qui arrivent très vite. Restez branchés. C'était Hugo Photo. Ciao !